es lugartenientes? Un lieutenant du cartel. Órale, güey. ¿Estás aprendiendo? D'après mes sources, tous les VIP de la Salma seront là ce soir. Certains ont été invités, d'autres sont... Conviés de force? Ouais. On y parle de quoi? De nous. La Salma se brûle, et ils veulent savoir qui a allumé la mèche. Elle s'innombrait sera là, non? C'est pas sûr, mais c'est notre meilleure chance. Alors saisissons-la. J'ai suffisamment d'hommes pour renverser tout le pays. Je vous prierai de vous abstenir. Ce que je veux dire, c'est qu'une maison ne nous posera pas de problème. Il nous faut El Sinombre vivant. Alors... faut qu'on le rencontre. Comment? On va leur donner ce qu'ils veulent, des informations. Ils veulent savoir qui est là, on va leur dire. En personne? Tout à fait. Là, nous devrons entrer, trouver le boss, et le capturer. Je vais le faire. Si tu entres, il te tue, hermano. Ouais, bah je prends le risque. On est venu pour arrêter un missile, alors c'est ce qu'on va faire. Je donnerai des infos contre un rendez-vous avec Sinombre. S'il est là, on le chope. Mais dis donc, tienes huevos, cabron. Mais si t'arrives à t'infiltrer, il te faut un guide. Je viens avec toi. Je vous couvrirai de loin. Il nous faudrait des shadows en hélico. Bien reçu. Ils vous demanderont des preuves. Montrez-leur ça. Appelez-moi si besoin. Allez, on s'équipe et on fait ça bien. Shadow en vol stationnaire. Bien reçu. Je suis en place. J'ai de la place pour me poser sur le toit. Ok. Je vois deux gardes armés devant la porte. Alejandro, comment ça se présente? Un vaquero à l'intérieur. Putain, comment vous avez fait ça? Avec violence. J'ai saut en visuel. C'est l'heure de vérité. Est-ce qu'il le voit? Maintenant, oui. Il l'amène dedans. Il a du courage, ceci. J'espère que ça ira. Hermano. Alejandro? Comment t'as... Pas le temps pour les explications. Écoute-moi attentivement. Dis la vérité. Donne-leur tout ce qu'ils veulent savoir, sinon ils te tueront. Tu veux que je leur dise tout? Oui, tout. Les forces spéciales mexicaines, les soldats SMP américains, la Shadow Company, Philip Graves. Toute la vérité. Même ton nom? C'est bien lui? Oui, chef. Il a un nom, le Mohawk? On m'appelle Soap. Soap, c'est quoi ce nom à la con? Suis-moi. Je veux voir El Sinombre. Oh, il veut voir le boss. Si t'es en vie, c'est parce que tu détiens peut-être des informations. Et elles ont intérêt à être bonnes, gringo. Ou sinon, je te ferai bouffer ta putain de crête, ok? Dégage de mon ascenseur, bordel. Ici, c'est chez moi. Avance. Tu ne verras le boss que quand je l'aurai décidé. Tu ne parles que lorsqu'on t'interroge. Et plus important encore... tu dis la putain de vérité. Parce que si tu mens, je te donnerai à bouffer au chien. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, putain? Ça fait des jours que je dors pas. Le boss a dit pas de drogue. Diego, j'essaie juste de maintenir éveillé, c'est tout. Respecte les putains d'ordre! La douleur te maintiendra éveillé. Allez, remets-toi au boulot. La Salma, c'est en guerre. Tu veux gagner? Alors obéis. C'est comme ça que l'organisation survit. Et c'est pour ça que le boss est là ce soir. El Sinombre est ici? Non. Mais la sicaria personnelle du Sinombre, oui. Valeria, en voilà un autre. Un gringo.
Assieds-toi. ¿Y este quién es? Su nombre es Jabón. Él nos buscó. ¿Jabón? No mames. ¿Y lo trajiste para acá? Así nomás. Dice que tiene información. ¡Pendejo de mierda! ¡No tenemos ni puta idea de quién es este güey! ¡Ya nos vio la cara! Valeria, necesitamos servicios de inteligencia. Él puede ayudarnos. Pues más te vale que nos dé algo, porque si no... Luego de que mate a este vato, el que va a esa silla eres tú. ¡Niños! C'est très simple. Je pose des questions, vous répondez honnêtement. Ne vous avisez pas de me mentir. Jusqu'à présent, on protégeait un ami dans les montagnes. Mais quelqu'un nous a attaqués. Qui? Todo un caos, no vi. Répète pour que le blanc comprenne. Je crois que c'était le cartel rival. À ton tour, Blanquito. Qui nous a attaqués? C'était l'armée mexicaine. Il ment! Mes troupes combattaient les agresseurs. T'es sûr de toi? Ouais, c'était l'armée mexicaine. Vous nous avez attaqués? Bien sûr que non! Je crois le caporal. Jusqu'à présent, on protégeait un ami dans les montagnes. Mais quelqu'un nous a attaqués. Qui? Todo un caos, no vi. Répète pour que le blanc comprenne. Je crois que c'était le cartel rival. À ton tour, Blanquito. Qui nous a attaqués? C'était l'armée mexicaine. Il ment! Mes troupes combattaient les agresseurs! T'es sûr de toi? Et toi alors? T'as une preuve? Regarde dans ma poche. C'est quoi ça? L'insigne de la Shadow Company. La preuve. Qui dirige la Shadow Company? Je veux un nom. Ghost. Je veux un vrai nom, pas un indicatif. Tout le monde l'appelle Ghost. Il porte un masque de tête de mort. Et il a des yeux rouges et il crache du feu, hein, c'est ça? Ce type vous raconte des conneries. Ça suffit. On va là-haut. Shadow. Allez, Güero. Que les choses soient claires, on n'a pas fini avec toi. El Sin Nombre décidera de ton sort. Vuelta a trabajar, pinches cabrones. Allons-y. Allez, par ici. Está en el penthouse con el sin nombre. Quand est-ce que je verrai el sin nombre? Valeria doit aller parler avec le boss, là. Tu attendras avec les autres. J'ai comme l'impression qu'el sin nombre aura très envie de te parler. Tu vas devoir attendre ici, Soap. Tu vas estar en la ofrenda. Que no me interrumpan. Oui, chef. Ahora
Órale, me encargo de él, güey. Le necesitan afuera. Ok, il faut lui donner un masque et le surveiller. Tu es vivant? Alejandro, je vois que toi aussi. Elle s'y nombrait dans la suite. Au dernier étage. Il faut une carte d'accès. Diego en a une. Prends ça. Sympa. Tiens. Pourquoi un masque? Des gens peuvent pas être vus avec le cartel. Radio en marche. Tu me reçois? Ok. T'es prêt? Sortons. Ghost, on y est. Qu'est-ce qu'on a? Elle s'y nombrait dans le penthouse, au deuxième étage. L'ascenseur nous y mènera. On a juste besoin de la carte de Diego. Où est Diego? La salle des offrandes, premier étage. Tu vois quelque chose, lieutenant? Si tu trouves un moyen de monter sur le toit, tu pourras accéder au penthouse. Dans tous les cas, faut que je monte. Attention, hermano. Si les gardes te trouvent là-haut ou dans le garage, ils n'hésiteront pas à t'abattre. Qu'est-ce qu'il y a dans le garage? Aucune idée, mais c'est important pour Diego. Trouve Elsie Nombrée et finissons-en. Terminé. J'ai trouvé un couteau. Bien, ça pourrait t'aider à rester discret. Je prends une bouteille. Pratique pour faire diversion. Sí, es en serio. Número de cuenta, 0919014. Esta noche. ¿Qué quieres decir con imposible? Te pagamos para que hagas este tipo de servicios. Adelante. Estado. Central, C1. Voy hacia la armería. Dos minutos. Surtout, tu peux chercher un moyen de monter ou bien suivre ce garde. C'est toi qui vois. T'es dans une zone défendue. Les gardes ont ordre de tirer à vue. Je suis au premier étage. Alejandro, j'ai trouvé Diego. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font là? On est en train de mener des opérations de grande ampleur. Que carajos! C'est parti. On y est, hermano. Pendant des années, Sin Nombre a corrompu cette ville. Qui a donné son nom à des monstres. Ce soir, on reprend le contrôle. C'est maintenant ou jamais. Ouais. Contrôle de sécurité, droit devant. Comment on traverse? Fais-moi confiance. C'est quoi ce bordel? C'est le pedazo de mierda qu'on cherchait! Caméra endoscopique en place. Procède à l'identification d'El Sin Nombre. Mettons enfin un visage sur celui qui n'a pas de nom. La garnison d'Espagne est arrivée comme prévu. Jefe, debemos movernos. Pendejito de mierda, je travaille là. S'il y a un putain de problème, tu le résous. Je peux vous garantir que mes hommes respecteront cet arrangement et que les paquets debemos seront irnos ahora. Bon voyage. Vamonos. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? La sicaria que j'ai rencontrée au sous-sol, Valeria. C'est elle, El Sin Nombre. Valeria? T'es sûr, hermano? Oui. Il faut qu'on bouge. Graves, Sin Nombre se fait passer pour une sicaria. On entre, vous êtes prêts? Ok. Ghost? Ouais. Il nous la faut vivante.
Personne, cabron. L'équipe au sol, vous pouvez intervenir. Capture-la, je te couvre. Elles s'innombraient. Mon nom est Valeria. Cachée à la vue de tous. Cachée. Je suis partout, soldat. Bien. Nous aussi. On y va. Mon pote, tout va bien ? Valeria ! Je la connais ! Asseyez-vous. Dites-moi, comment vous vous connaissez tous les deux ? Se connaître, c'est un grand mot. Les paroles fortes sont importantes. Nuestra palabra es nuestro valor, ¿no? ¡De la verga, hija de puta, que te voy a matar! ¡Oh, oh, oh! ¡Di calme, comandante! ¡Ouais! ¡Ouais! Vamos, dis-leur. Personne me donne d'ordre. Même les clefs de Las Almas n'osent plus m'abouiller. Sans blague. Non, c'est une ancienne militaire. On a servi ensemble. Différentes escouades. Même unité. D'un côté, vous, les sauvages. Les vaqueros. De l'autre, mon équipe, irréprochable. Jusqu'au raid contre le fils de la Araña, tu te souviens? Comme si c'était hier. Son équipe était censée boucler la ville pour empêcher les mercenaires de la Araña d'entrer et éviter le bain de sang. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ouais, personne n'est entré parce que c'était vous les mercenaires, pas vrai? Il a été escorté dans les montagnes sans incident. Et on a évité le bain de sang. Il devait finir derrière les barreaux. Donc vous l'avez tué. Et pris sa place. J'avais laissé une place vacante. Et je l'ai comblée. Las Almas a besoin de moi. Las Almas a besoin de soldats. Pas de sicarios. Et toi? Toi, t'as déshonoré l'armée. Et tes frères aussi. Pourquoi vous faites ça? À vous de me le dire. C'est pas vous, les mercenaires? La concurrence profite de votre inaction. T'es une narco qui protège un terroriste. Le terrorisme, c'est bon pour les affaires. Une forme d'assurance. Ça veut dire quoi, ça, putain? Puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo! Puta madre, Alejandro! Tant qu'il y a une guerre contre le terrorisme, ça laisse le champ libre au trafic de drogue. Pour trouver votre soi-disant terroriste et vos missiles, vous avez besoin de moi. Pour éviter un bain de sang. Non, ça sera sans moi. Ça change rien. Au contraire, ça change tout! Putain! Ne faites pas de marché avec elle. Ça va mal se finir. Maintenant, c'est à ton tour de dire la vérité. Je veux les missiles, je veux la cible, et je veux Hassan. Vous avez 10 secondes pour tout me dire, avant que je vous montre la différence entre l'armée et moi. Je connais pas les cibles. Je suis qu'un messager, un simple pion. Mais je sais où sont les missiles. Et à votre retour, je vous dirai où se trouve Hassan. En échange, vous me laissez partir et vous foutez le camp de Las Almas. Je veux plus vous voir. Ok. En attendant... Vous resterez ici.